voilà à la nuit très sainte où nous recevons notre Sauveur, Jésus-Christ. Temps de la contemplation, faisons taire nos discours et tournons-nous vers le Verbe qui se fait enfant et silence. Nuit de Noël, temps de la vache contemplative, pour voir l'enfant, nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous mettre en route vers ce lieu surprenant où il se donne au monde, loin de ce qui brille et fanfaronne. Les bien-aimés, nous voilà après un temps de préparation en ce jour solennel. Jour de Noël, jour de fête et de joie. Réjouissons-nous, car nous avons le Rédempteur, le Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Pour l'accueillir, supplions le Dieu de monde et demandons-lui de nous donner la grâce de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
siècles des siècles. Tu as prodigué la détresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix, prince à jamais. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Oh,
La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le peuple, le péché et les passions d'ici-bas. Pour vivre dans le monde présent, un homme raisonnable pour juste et religieux. Et pour atteindre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Dieu, de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amoteya et le coucha dans une mangeoire, car il n'avait pas de place pour eux
dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous êtes né au Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Sa parole a retenti. Où nous célébrons la naissance de notre Sauveur. Alors permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël et de prier pour chacun de nous ici réunis afin que le Seigneur qui naît dans le monde puisse aussi naître dans nos cœurs. Chers frères et sœurs en Christ, en la solennité de la nativité de notre Sauveur, Dieu se propose à l'homme, dans ce monde qui semble être sous la maîtrise des grands hommes. Il n'y a ni de lieu pour l'enfant à naître qu'une mangeoire. Nous dit-on dans l'évangile que nous avons entendu, frères et sœurs, il n'y avait pas de place dans la salle commune. Oui, mes bien-aimés, nous voyons cela lointain peut-être, et peut-être que nous ne nous imaginons pas ce qui aurait dû se passer. Mais imaginez-vous, on nous dit que Marie était enceinte et devait se rendre dans son village natal pour se faire recenser. Le recensement, c'est quelque chose d'important, parce que tout simplement, on parvient à savoir combien nous sommes dans un pays, ou bien dans une région, ou bien dans un département. Et au temps de Marie, il n'y avait pas ces moyens de transport que nous avons. Ils ont dit peut-être aller à pied, ou bien prendre l'âne, ou bien prendre autre chose, un autre moyen, mais il n'y avait pas de voiture. Alors imaginez-vous une femme enceinte en train de faire un long voyage. Mais bien-aimés, cela peut nous interroger et nous dire comment ce Dieu qui vient à nous pour accepter d'aller naître dans des conditions pareilles. Parce que ce n'est pas la connaissance qui le manque, parce que c'est Dieu qui sait ce qui va se passer là-bas, là où il se rend. Mais il y a quelque chose à décrypter là-dedans. Parce que tout simplement, on nous dit qu'il n'y avait pas de la place dans la salle commune. Mais, frères et sœurs, il n'y a pas quelque part de la place pour Dieu dans notre vie. Alors cette salle commune, ce n'est pas cette salle dans ses murs. Cette salle commune, c'est notre cœur. Parce que notre cœur est une salle commune où nous devons accueillir tous. C'est là la salle commune.
Alors Dieu, pour ne pas y avoir de place, parce que tout simplement, nos préoccupations quotidiennes l'empêchent d'avoir de la place dans ce cœur. Ce que nous pensons et ce que nous posons ne lui permettent pas d'avoir de la place dans notre cœur. Alors nous sommes interrogés et nous sommes invités à ouvrir notre cœur. Parce que notre cœur, c'est une salle commune. Nous accueillons nos amitiés, mais aussi ceux qui ne sont pas nos amis. Nous nous ouvrons à eux. Mais bien aimé, célébrer Noël veut dire s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres dans la simplicité. Parce que l'enfant qui naît, c'est dans la simplicité. Dans la simplicité, on nous dit dans une étape. L'humilité, la simplicité, être simple dans notre vie. Oui, en son Fils Jésus, Dieu est désormais lui-même présent. Il s'est fait chair, il est venu habiter chez nous. Dieu est là présent dans nos vies et dans le monde. Ne craignez pas. Cela pour faire écho aux paroles de Jean-Paul II qui nous disait « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Non, pas avoir peur. Parce que Dieu est avec nous, pourquoi avoir peur? Si Dieu est avec nous, pourquoi il faut avoir peur? Oui, c'est ainsi que commence le message de l'ange. Alors, avons-nous un motif d'avoir peur? De quoi faut-il avoir peur? Mais bien aimé, l'homme est rempli de peur pourtant. On est rempli de peur. Depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie, la peur du noir, la peur de ne pas trouver du travail, d'avoir faim et soif, de ne pas savoir comment payer ses factures pour certains, la peur de la solitude, de la maladie, de l'abandon, de la mort. Voilà des peurs qui nous habitent pourtant. Mais le Seigneur qui vient à nous, nous réconforte aujourd'hui et nous pouvons utiliser la voix de l'ange pour dire « Ne craignez pas ». Mais bien-aimés dans le Christ, la peur naît d'un sentiment d'insécurité et de ne pas savoir où l'on va et où l'on est. La peur vient de tout ce qui nous surprend et nous dépasse, de l'autre qui est différent de nous. Elle engendre le repli sur soi-même. Lorsque nous avons peur, on se replie sur nous-mêmes. On se replie sur nous-mêmes. Alors le message annoncé aux bergers, c'est pas pour que c'est pour qu'ils se replient sur eux-mêmes, mais c'est pour qu'ils annoncent au monde qu'il y a la naissance du Sauveur. C'est pourquoi l'ange dit, n'ayez pas peur. Allez-y annoncer au monde qu'il nous est né un sauveur dans la ville de David. Mais bien-aimés, voilà un message de paix. De paix. Les bergers ont peur d'une grande lumière qui les enveloppe. C'est la peur face à une manifestation de Dieu. Partout, quand Dieu se manifeste, à qui il s'est manifesté, il y a eu cette peur-là, il y a eu ce sentiment de peur. Oui, parce que sa grandeur doit nous faire peur. Mais l'ange nous réconforte et nous demande de ne pas avoir peur. Mais pourquoi avoir peur de la lumière? Mes bien-aimés, la joie de Noël vient au cœur des ténèbres, de la nuit. Elle nous surprend. Et pour l'accueillir, il faut surmonter sa peur. Aller au-delà de sa peur, c'est accueillir les dons que Dieu nous donne en son Messie, en son Fils. C'est Isaïe qui en parle le mieux de ses dons. La lumière, la joie, la paix, la justice, l'amour. Saint Paul ajoute le bonheur et le pardon. Voilà les cadeaux de Noël, mes frères et sœurs. Le cadeau de Noël, les cadeaux de Noël sont là, les dons que Dieu nous fait, c'est-à-dire la lumière, la joie, la paix, la justice, l'amour.
Le prince de la paix, disons-nous. Oui, nous avons besoin de la paix dans ce monde. Il y a beaucoup de violence physique, mais aussi verbale. Mais au-delà de cette violence verbale, actuellement, la violence se passe avec les nouvelles technologies. Chacun se met sur son ordinateur ou bien sur son portable et il dit ce qu'il veut, sans savoir qui il blesse, sans savoir ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de faire du mal à l'autre. La violence, à partir des nouvelles technologies, il faudrait qu'on fasse attention à ce que nous écrivons dans nos téléphones, à ce que nous disons dans nos téléphones. Parce qu'on fait beaucoup de mal sans se rendre compte. C'est de la violence. Et l'enfant que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, l'enfant Jésus, ne nous enseigne pas d'être violent. Il nous enseigne plutôt d'être tendre, la tendresse et l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que c'est le don de Dieu. Dieu nous donne son Fils parce qu'il nous donne, parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous donne son Fils, nous dit Saint Jean dans son prologue. L'amour est au-devant de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en cette fête de Noël. Dieu se donne à nous. La tendresse et l'amour, voilà les maîtres mots lorsque nous fêtons le Fils de Dieu. Ne soyons pas des citoyens violents à partir de nos téléphones ou de nos ordinateurs. Mes bien-aimés, ce n'est pas parce que l'ambiance politique de notre pays nous y amène que nous allons aussi marcher dans ce sens-là. Nous sommes des chrétiens et Dieu qui naît aujourd'hui nous demande d'être tendre vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et je vous ai dit tout à l'heure que Saint Paul ajoute que la fête de Noël nous donne le bonheur et le pardon. La réconciliation doit être au cœur de notre vie de chrétien. Il ne faut pas répondre la violence par la violence. Mais plutôt on répond en tant que chrétien à la violence par l'amour. Par l'amour parce que c'est cela que nous sommes en train de fêter. Nous sommes en train de fêter l'amour. Dieu qui nous aime et qui nous donne son Fils. Voilà la fête de Noël, ce n'est pas autre chose. Dieu nous aime et il se donne à nous à travers son Fils Jésus-Christ. Voilà les fruits de Noël, les cadeaux que Dieu nous donne. Sommes-nous capables de les accueillir et de les déballer? Ou aurions-nous préféré un autre cadeau? À Noël, mes bien-aimés, le plus beau des cadeaux, c'est l'enfant lui-même qui se présente à nous. Un enfant dans sa nudité, sa pauvreté, sa fragilité, un enfant qui nous tend les bras. Dieu nous tend les bras parce que Dieu se propose, il ne s'impose pas à nous. Dieu ne s'impose pas à nous. Il respecte notre liberté. Dieu ne s'impose pas à nous. Il se propose. Cet enfant Dieu est le signe de la tendresse de Dieu. Dieu Tout-Puissant se fait petit et faible. Il vient se blottir au creux de nos bras, se nicher contre notre épaule. Frères et sœurs en Christ, il nous invite à ouvrir notre cœur à la tendresse et à l'amour. Nous sommes invités ainsi à savoir aimer et à être aimé, à ne pas avoir peur de lui, de l'autre, de l'amour et de la tendresse qui nous sont offerts et qui viennent demeurer au fond de notre cœur. Pas avoir peur de l'autre, de l'amour, de la tendresse, savoir aimer et être aimé. Voilà, frères et sœurs, accueillons ce soir. Accueillons ce soir le cadeau de Dieu. Accueillons sa tendresse et sa paix. Et cherchons à partager ce cadeau autour de nous. Voilà, Noël, c'est un partage. Si on a reçu le cadeau de Noël et qu'on ne parvient pas à le partager, ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi en fin d'année, on donne les cadeaux. C'est pour partager notre joie. Noël se partage. Et c'est pourquoi chacun de nous préfère aller auprès de sa famille pour partager effectivement ce cadeau.
Les gens font des distances et des distances pour retrouver leurs parents, leurs proches, leurs amis. C'est pour partager le cadeau qu'ils ont reçu, le cadeau de Noël. Et le cadeau de Noël ne saurait s'enfermer entre nous chrétiens. Il faut aussi le partager aux autres. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble sur la terre. C'est nos frères et sœurs en humanité. Nous ne pouvons pas tenir ce cadeau-là pour nous seulement. Oui, il faut s'ouvrir aux autres. Je vous disais que le cœur, notre cœur est la place commune. Chacun a droit à y avoir une place là-bas. Toutes ces personnes avec qui nous vivons ont le droit d'avoir une petite place dans notre cœur. Alors la joie de Noël se partage. Nous devons la partager. C'est pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres qu'il nous a rejoints dans notre pauvreté, qu'il a pénétré le tréfonds de notre cœur, de nos peurs, de nos blessures. Oui, Jésus, le fruit béni du sein de Marie, venu partager notre condition humaine marquée par tant de violence et de tourments, est vraiment notre consolateur, notre espérance, notre sauveur. Nous sommes marqués, notre monde est marqué par trop de violence et de tourments de toutes sortes. Dieu est avec nous. Ne perdons pas espoir. Dans ces difficultés de la vie, Dieu est avec nous. Et la fête de Noël, c'est pour nous le rappeler. Le peuple d'Israël a attendu la libération. Et ils ont dit, il y aura le Messie. Et le Messie est venu. Nous aussi, nous sommes là comme ce peuple. Mais sachant que Dieu est déjà là pour nous libérer de tout ce qui nous fait du mal. Oui, Dieu est avec nous. Dans la fragilité de l'existence humaine, dans les joies les plus intenses, comme dans les circonstances les plus difficiles de nos vies, Dieu est avec nous. Réjouissons-nous. Le Seigneur est avec nous pour toujours. Dieu vient sans armes, sans force, parce qu'il ne veut pas conquérir de l'extérieur, pour ainsi dire, mais pour être accueilli par l'homme dans la liberté. Il ne vient pas pour conquérir, mais il veut être accueilli dans la liberté par l'homme. Il ne vient pas avec des armes, et il ne va pas naître dans un palais, il va naître dans une table. Pour encore nous dire cette simplicité de vie. Alors essayons d'être simples dans nos relations, dans notre vie de tous les jours. Parce que la simplicité, ça, lorsque nous l'avons, nous parvenons à réussir à tisser des amitiés, mais aussi à accueillir Dieu en premier. Nous parvenons à accueillir Dieu en premier. Dieu se fait enfant désarmé pour vaincre l'orgueil. La violence, la soif de possession de l'homme. Oui, il se fait pour vaincre la soif de possession de l'homme. Parce que si vous vous rappelez, le péché d'Adam et Ève, ça a été quoi? C'est cette soif de possession. Nous voulons être comme Dieu. Et le serpent va dire, comme vous voulez être comme lui, voilà, il faut manger le fruit de cet arbre-là. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui, qu'il ne veut pas que vous mangez le fruit de cet arbre. Nous voulons tellement posséder et que nous tombons dans le piège. Alors ne tombons pas dans ce piège de la possession. Parce que la possession nous amène dans des choses inimaginables. Après, notre vie bascule. Parce que nous avons voulu ceci, nous avons voulu avoir cela, nous avons voulu avoir ceci. Et finalement, on se retrouve où? Dans la manipulation, dans la tricherie, dans le vol. Il ne faut pas vouloir jusqu'à voler. Il ne faut pas désirer jusqu'à voler, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle à la pauvreté du cœur. En Jésus, Dieu s'est fait pauvre et désarmant pour nous vaincre par l'amour et nous conduire à notre véritable identité. Oui, il s'est fait pauvre et désarmant pour nous vaincre par l'amour et nous conduire à notre véritable identité. Dieu ne sait pas faire l'indifférent. Alors nous avons à briser notre indifférence et à sortir de notre narcissisme
On aime se regarder. Je suis beau, c'est moi, c'est ceci, c'est moi, c'est le narcissisme. Vous connaissez Narcisse? Cette histoire, beaucoup de gens comme ça. Il a tellement voulu se contempler, finalement il est allé tomber dans le puits parce qu'il se regardait à travers le puits, il se disait je suis beau. Finalement, il s'est retrouvé dans le puits. Alors il ne faut pas que nous soyons. Il faut sortir de notre narcissisme. Pas trop se regarder. Être attentif à l'égard de ceux qui souffrent. Être attentif à l'égard de ceux qui souffrent. Parce que Noël nous appelle à cela, le partage. Il faut partager la joie de Noël. Il y a des gens qui souffrent près de nous, qui ne parviennent pas aujourd'hui à être dans une célébration liturgique pour célébrer Noël. Nous sommes appelés, peut-être, si nous les connaissons, que nous avons le téléphone, de les appeler, de les réconforter dans leur souffrance, de leur souhaiter joyeux Noël parce qu'ils n'ont pas pu être avec nous. Voilà comment nous pouvons partager cette joie de Noël, mes frères et sœurs. L'enfant de la crèche nous oblige à un chemin de simplification pour nous ramener à l'essentiel, à plus de tendresse, plus d'humanité. Devant lui, nous sommes invités à relativiser nos grands projets, nos grandes théories qui nous éloignent souvent des personnes concrètes. Mais bien-aimés, que la bonté et la tendresse qui émanent de l'enfant de la crèche coulent en nous comme un fleuve pour irriguer ce monde si bouleversé et malade qui a tant besoin de faire l'expérience de la bonté de Dieu, qui soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu fort envoie quelqu'un pour leur annoncer que le Sauveur est entré chez eux avec des présents. Ensemble, prions le Seigneur. Je
assemblée, qu'en ce jour, nous puissions crier à tout un chacun en lui disant que le Christ est né en notre cœur. Prions le Seigneur. Thank you.
sacrifice et le vol aussi soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, au nom de Dieu et Esprit de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystère, car ce mystérieux ange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
tomba, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Les anges d'amour. Selon ta volonté, c'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être en son corps et en seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec Jésus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie. Merci Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ton monde entier de saluer la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les âmes du purgatoire, pour les défunts de nos familles respectives, pour les âmes avortées, les âmes errantes, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Des raisons de santé, parce qu'ils sont malades, ou bien parce qu'ils ont d'autres préoccupations qui les ont empêchés de nous joindre à nous. Et ensemble, disons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que parvient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la joie de cette fête, donnez-nous un signe de paix. Amen.
Pour faire passer la
prière pour la deuxième fête pour organiser la visitation de grâce du Père Francisco. Amen. Oh,
de nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui lui est règne pour les siècles des siècles. Amen. D'abord, permettez-moi, au nom de notre équipe pastorale, de vous souhaiter un joyeux Noël, un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Je vous donne. Pour exprimer notre joie, je vais demander à ce qu'on s'applaudisse très fort. Alors aujourd'hui, nous avons célébré la nativité et demain, il y a la messe à 10h ici. 10h ici, il y aura des baptêmes. Mais nous commençons déjà à 8h30 à Pilkama et 8h30 à Kanema. Et ensuite, on viendra ici pour 10h pour la célébration avec les enfants. Vous avez vu que beaucoup de nos enfants ne sont pas là, donc demain, je sais bien que nos enfants vont être là. Voilà, parce qu'ils étaient lui, pour qu'ils portent leur propre venir, mais demain ils seront là. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on a un programme tout à l'heure après cette messe. On s'est donné rendez-vous à la frontière, n'est-ce pas? Pour notre réveillon de Noël, parce que nous préparons aussi l'inauguration, la bénédiction de notre église. Nous avons dit la messe ici, c'est très agréable, je pense bien. Alors il faudrait qu'on fasse l'effort de pouvoir finir à temps, parce que c'est prévu pour le 29 janvier. Le 29 janvier, c'est arrivé. Alors il faudrait qu'on se rende tous là-bas au niveau du réveillon pour s'accompagner, mais aussi pour rechercher quelques fonds pour pouvoir finir les travaux à temps et pouvoir ensuite déjà se préparer à accueillir nos hôtes, parce qu'on aura des gens qui viendront. Alors, ça ne va pas sortir de la poche du curé ni du vicaire, c'est de la communauté chrétienne, vous donc. Alors, c'est pourquoi vous êtes invités vraiment à qu'on aille se soutenir de l'autre côté à la frontière. On se soutient et on va arriver au bout. On va arriver vraiment à faire fonctionner cette église, à la bénir et à bien la faire fonctionner. Vous avez vu, on est avancé dans les travaux, mais il reste encore. Moi, je transfère. Donc, il n'y a pas de ventilo. Là où vous avez vu qu'il n'y a pas de lumière, les fils que vous voyez, c'est prévu pour les ventilos. Alors, il n'y a pas de ventilo encore. Et aujourd'hui, pour célébrer, on a utilisé ces lampes-là. Mais là où vous avez vu ces lampes-là, c'est prévu pour des projecteurs. Vous avez vu que la lumière marche dans l'église. Il faut un bon éclairage pour créer cette lumière. Vous avez une grande église, mais ça demande des moyens. Alors il faut que chacun de nous essaie de mettre quelque chose. Nous avons aussi quelques contributions des personnes de bonne volonté, des gens individuels, qui sont venus donner vraiment pour que l'église puisse s'unir. Alors la grande masse, les autres fidèles de la parole sont voyés. On a demandé 1000 francs dans les CV, nous voyons. Sauf pour Domsante, qui a honoré 2000 francs par personne, et ils sont venus les verser pour Domsante. Mais le reste, rien jusqu'à présent. Alors, il faut nous encourager aussi. Parce que si vous ne faites pas, nous aussi, on va finir par baisser les francs. Et on va dire, bon, ces gens-là, on ne peut pas les aider. Quand on vous demande une petite chose, il faut faire. C'est une petite chose, 1000 francs. Il y a des gens, si vous allez demander, ce n'est pas pour les idées ici, mais allez demander aux gens de Condat, Saint-Denis, combien on leur demande de cotiser pour leur église. Quand on demande une France, c'est vraiment infime, c'est petit, c'est rien. Alors s'il vous plaît, même les enfants, il faut continuer. Parce que ça, c'est votre fierté. Non, on va partir. Mais ça va rester ici des années. C'est pour vous. Comme je le disais la dernière fois, on ne faut pas que les autres qui sont ailleurs fassent tout pour nous. C'est ce qu'elle a fait, nous on n'a rien fait. Nous on vient le jour de la fête, on se présente avec notre beau tissu, et puis on mange et puis on rentre. On est content. Non, on ne peut pas faire ça.
vos confessions, la communauté, vos frères de gauche. C'est votre tour de faire quelque chose maintenant. Les gens ont assez fait pour vous, maintenant c'est à vous de faire. C'est votre tour maintenant. Alors, le tissu de la fête va arriver peut-être lundi. Malheureusement, on voulait l'avoir avant, mais quand même on l'aura. Parce qu'ils ont sauté en envoyé le champion, on a choisi le tissu. Donc le tissu va venir, ça sera au prix de 1250 francs, le mètre. Parce que c'est pour la fête en même temps. Je vous ai dit que pour organiser la fête, on ne va pas encore vous demander des participations. Alors, il faut que chacun de nous puisse mettre la main dans la poche. Ok? Et ensuite, on a prévu la veille de notre fête patronale, la bénédiction de l'église, le fait de dîner paroissial comme l'année dernière, avec les quatre dîners, à plus de 5000 points, à 4 pour le dîner, du centre. Voilà le programme qu'on peut. Alors, il y a certains qu'on avait chargé de l'animation culturelle, de nous chercher des artistes, jusqu'à là, on n'entend rien. Le 29 janvier, c'est arrivé. C'est pas la peine d'aller chercher un artiste qui va venir jouer à la musique. La peine va s'occuper de la liturgie ici. Alors, les gens qui connaissent les gars, les musiciens, là, mettez-vous en place. Parce que la fête, quand même, une bénédiction de l'église, c'est pas une simple fête patronale. C'est une bénédiction de l'église. C'est une grande fête. Voilà. Parce que. L'intérêt du monde, par l'incarnation de son fils, par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Il éloigne de vous les ténèbres des péchés. Il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur. Il met en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix.
N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti.